Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » La courte scène de l'évangile d'aujourd'hui est aussi celle qui dit de la manière la plus forte ce qu'est un disciple de Jésus. Il y a ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans, ceux qui cherchent à être avec Jésus et ceux qui le sont. L'enjeu pour Jésus n'est pas de condamner ou de canoniser. Il est encore moins d'exclure quiconque. Jésus indique comment être ses frères, ses sœurs, sa mère. C'est en faisant la volonté de Dieu que l'on devient pleinement membre de la famille de Jésus. Et le verbe « faire » est essentiel. Il ne s'agit pas simplement de penser ou de croire. Être disciple de Jésus n'est pas lié à une conviction, mais à une action. Le disciple est celui dont on peut constater concrètement, dans ses actes, qu'il fait la volonté de Dieu. Alors quelle est la volonté de Dieu que je suis appelé à accomplir aujourd'hui ? Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna. Louange à toi, ô Créateur, Maître et Seigneur de l'univers. Tu fais pour nous la mer et les flots, la terre entière et tous ses biens. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna. Qui peut monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint? L'homme aux mains pures, au cœur innocent, Dieu le reçoit et le bénit. Le Dieu fort, ouvrez-vous.
célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna.